Bonjour, je suis Julien Vannebergen, administrateur des agences immobilières Expertissimo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des conditions d'octroi des crédits et des conditions de taux. Tout d'abord, nous allons parler des taux hypothécaires. Les taux hypothécaires ont clairement augmenté, mais il faut aussi comparer ce qui est comparable. Il y a grosso modo un peu plus d'un an, l'argent était pratiquement offert, gratuit, suite aux conditions de la Banque Centrale Européenne. Maintenant, nous pouvons considérer que les taux reviennent sur quelque chose de normal. Les taux restent abordables, les conditions de crédit restent également abordables, donc c'est encore le moment d'acheter. Il faut peut-être revenir en arrière, vous prenez il y a 20 ou 30 ans, les taux étaient parfois à 10, 12, 14%. Ici, nous sommes revenus sur des taux de crédit hypothécaire des années 2014, 2015, 2016. Donc j'aurais tendance à dire, n'ayez pas peur par rapport aux conditions de crédit, ce sont des taux qui sont tout à fait encore bons et bons dans le marché. Au niveau des conditions d'octroi des banques, sachez que la Banque nationale a durci un petit peu les règles il y a 2-3 ans. Mais donc, les conditions actuelles des banques sont toujours bonnes. La seule chose que les banques demandent, c'est évidemment un apport. Ce qui veut dire que les banques ont plus de mal à vous accorder 100% de crédit. Mais en fonction de la qualité du dossier que vous présentez et de votre qualité client, elles offrent des conditions de crédit qui peuvent être encore très 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 bonne, et donc il ne faut pas spécialement toujours un apport gigantesque pour pouvoir acquérir votre bien. Il faut simplement pouvoir montrer qu'on a la capacité de remboursement et qu'on a des fonds propres suffisants par rapport aux conditions de votre banque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Sachez que l'ensemble de l'équipe Expertissimo est à votre disposition, aussi bien pour mettre en vente votre bien ou pour mettre en location celui-ci, ou tout simplement faire appel à notre service de gestion privative. À très bientôt !